Those that leave us. Les gens qui nous quittent. No, the people that leave us. Le syndrome de Judas. The syndrome of Judah. Ceux qui vous quittent. Those that leave us. Avant de débuter, je vais nous donner 15 raisons. Before starting, I will give us 15 reasons. Qui explique, qui donne les raisons qui expliquent pourquoi Dieu permet que certains gens nous quittent ou nous fassent du mal. 15 reasons that explains why God allows some people to leave us or allow them to harm us. Première raison. First reason. Dieu permet à certains gens de vous quitter ou de vous faire du mal. God allows some people to do harm to us or to leave us. Afin de corriger une erreur de familiarité et de mauvais choix dans les fondations de votre ministère. In order to correct an error of familiarity and bad choice in the fundament of your ministry. Vous savez au début du ministère. You know in the beginning of the minister, the ministry. On embrasse les premières personnes venues. We embrace the first person that just came. Et on croit que ces premières personnes tant nous sommes finis. And we just think that if those first person go, we are finished. Mais la plupart des temps, but most of the time, ces premières personnes, those first persons, c'est la familiarité qui les choisit. It is familiarity that chooses them. Et Dieu parfois, and God will see, permet qu'ils nous quittent. And we permit that they should leave us. Qu'ils fassent même du mal. That they should even do harm to pour us. Pour se arranger cette familiarité dans notre fondation. So that we can arrange that familiarity in our foundation. J'ai observé pour longtemps et je crois que le temps est venu où je pourrais vraiment donner ça. I've been observing for so long and I think the time has already come and I can already give it. It hasn't yet done 14 years. J'ai bien observé, ce n'est pas une théorie, c'est quelque chose que j'ai vécu, qui est pratique. And I think that I've really observed. Tu and now it's not a theory, it's something that is practical. If you apply it in your enterprise, it will work. Si tu l'appliques dans ton champ de marketing, ça va marcher. If you apply it in your marketing market, it will work. Amen. Ce n'est pas une théorie. It's not a theory. Je l'ai vécu. I live it. Je crois que ça fait environ 14 ans. I think it's about 40 years old past. C'est même plus, c'est même plus. It's even more than it. Amen. Amen. Ça a commencé par la maison de mon père. It started by the house of my father. Jusqu'à mon ministère. Till my ministry. Amen. Amen. Dieu permet, première raison, que des gens vous quittent. First reason, God permits that some people should leave us. Pour corriger des erreurs de familiarité. To correct errors of familiarity. De mauvais choix. Of bad choice. Dans le fondement de votre ministère. In the fundament of our ministries. C'est important. It is important. Quand nous regardons l'exemple d'Abraham. When you look at the example of Abraham. Dans Genèse 13. In Genesis chapter 13. Dans Genèse 14. In Genesis chapter 14. Et dans Genèse 18. And in Genesis chapter 18. Si nous voyons Genèse 13 verset 1. If you see Genesis chapter 1. De Genèse 13 verset 1 à 8. Genesis chapter 13 verse 1 to 8. Genèse 14. Genesis chapter 14. Verset 1 à 16. Verse 1 to 16. Et Genèse 18. And Genesis chapter 18. Verset 23 à 33. Verse 22 to 23. Nous allons observer que. We are going to observe that. Tous les problèmes. All the problems. Qu'Abraham a rencontré. That Abraham encountered. Lors de son voyage. During his traveling. Peut être expliqué par. Can be explained by la présence, the presence de Lot, of Lot près de lui, beside dans son équipe, dans son ministère, in his ministry. Amen. Amen. Dieu dit à Abraham. God says to Abraham, va dans le voyage, exécute un voyage mystique pour moi. Va là où je vais t'envoyer. Go where I will send you to. Travel for me. Abraham, au lieu de se lever et partir, Abraham, instead of standing up and going, il choisit son neveu Lot. He chooses his nephew Lot. Lot a causé des sérieux problèmes. Lot has caused serious problems to Abraham. Dieu avait parlé à Abraham. God had spoken to Abraham. Lorsqu'il a pris Lot, and when he took Lot, Dieu ne lui a plus parlé. God did not speak to him anymore. For 15 years, se sépare de Lot. Until he separated himself from Lot.
Abraham a même tombé dans les problèmes qu'il ne devrait pas tomber à cause de Lot. Abraham even fell in problems in which he was not supposed to fall because of Lot. Abraham s'est livré à une guerre qu'il ne devrait pas se livrer à cause de Lot. Abraham battled a war that he wasn't supposed to battle for because of Lot. Il était obligé d'aller faire la guerre à Kenan la Omer. Voilà, je vais finir par bien prononcer. Kenan la Omer. He was forced to go and do war to Kenan la Omer. Parce qu'il voulait libérer Lot. Because he wanted to liberate Lot. Parce qu'il avait pris Lot avec lui. Because he had taken Lot with him. Dans son ministère. In his ministry. La mauvaise personne. The bad person. Ça a permis à Lot d'aller à Sodome et à Gomorrah. It permitted to Lot to go to Sodom and Gomorrah. Et ça a donné naissance à la génération des Moabites. And that's how it gave birth to the generation of Moabites. C'est de là-bas qu'est venue même Jézabel. And it's even from there that came Jezebel. À cause de la familiarité de Abraham. Because of the familiarity of Abraham. Les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot. The servants of Abraham and those of Lot ont commencé à se cogner la tête les uns les autres. Started battling themselves among Il y avait un ministère dans un ministère. There was a ministry in a ministry. Il y avait ce qu'on appelle les affronts. There were what we call encounters. Lot qui avait seulement été pris voulait déjà être aussi au même pied d'égalité que Abraham. Lot that was just taken already wanted to be at the same level with Abraham. Mais Abraham lui a donné un peu plus d'avantages. And Abraham gave him a little bit more advantages. Tu es mon frère. You are my brother. Il ne faut pas qu'on ait des problèmes. It's not good that you should have problems. Vraiment. Si tu vas à gauche. If you go to the left side. Je vais à droite. I go to the right side. Il est bon qu'on se sépare. It is better for us to separate. Abraham avait compris. Abraham had understood. Et Lot a soulevé les yeux comme ça. And Lot put on his eyes like this. Le gars a regardé là où il y avait un vert pâturage. The one look, he looked where there was a green, there was green land, joli. Where it was nice, là où il y avait la richesse. Where there were good. Il a dit, monsieur mon grand frère. And he said, Mister, my elder brother. Moi, je ne vais pas. No, me, I will go back there. Et Abraham n'est pas. And Abraham went. Il savait que il n'était pas là pour regarder à ce qui frappe les yeux, mais il était là pour obéir à une vision, à une mission que Dieu lui a léguée. Because he knew he was not there to look at what was shining, but to go and do what God sent him for, looking at the vision. Mes frères, my brothers, ceux qui dans ton équipe, those who in your ministry, aiment l'argent. In your team, love money. Aime la gloire. Love glory. Bon patch. We go. Dieu va te séparer de. God will separate yourself from them. Amen. Amen. Ils vont partir. They will go. Si nous lisons bien ce verset, vous allez voir que c'est très clair. If we read well this verse, you are going to see that it is very clear. Je lui mets exactement le verset pour que toi-même tu les lises quand tu vas rentrer et va retransmettre fidèlement ces enseignements aux autres. I am giving you the different verses because I want that you should read it yourself and when you go back to your different cell, you transmit it faithfully. Parce que le temps nous tient à la gorge, on risquerait de finir à 18h. Because there is no much time, we may even finish by 6 p.m. Amen. Amen. Deuxième raison. Second reason. Dieu permet à certains de vous quitter ou de vous faire du mal. God allows some to leave you or to do harm to you. Afin de vous rendre humble. In order to humble you. Deutéronome 8 le verset 2. Deuteronomy 8 chapter 2 verse 2. Vous allez voir. You're going to see. Premièrement, il permet que les gens partent. Firstly, he permits that people should go. Pour que tu corriges la familiarité dans ton ministère. So that you should correct familiarity in your ministry. Tu corriges le mauvais choix dans ton ministère. You should correct the bad choice in your ministry. Deuxièmement. Secondly, il permet que les gens partent. He permits that people should go. Pour te rendre humble. To humble you. Il permettra que certains gens même importants te quittent. He will even permit that some important persons leave you. Pour que tu sois humble. So that you should be humble. Tu peux lire Deutéronome 8 verset 2. You can read Deuteronomy 8 verse 2. Lis maman, lis. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Mm-hmm.
Amen. Amen. Donc Dieu a humilié le peuple hébreu pour les éprouver. God humiliated the Hebrew people to prove them. Et Dieu t'en permettra. And God will permit certains piliers de ton équipe. That some certains forts de ton équipe. He will permit that some pillars of your team puisse te quitter. Should leave you. So that you should be humble. Il y a des hommes de Dieu qui sont très orgueilleux. There are some men of God that are really pride. Ils font comme Mohamed. Mohamed croyait qu'il grimpait sur l'arbre qui volait. They are doing as Quoi Mohamed. Ça? They thought that Mohamed thought that he could fly. Uh-huh. Et Dieu permettra que certains piliers de ton entreprise même. And that's how God will permit that even some pillars of your enterprise leave you. Pour que tu sois humble. So that you should be humble. Que tu cesses d'être orgueilleux. That you should stop being pride. Amen. Amen. C'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu vas laisser le moi t'accabler. It's not because God called you that you allow proudness to come to take all over you. Chaque départ. Each departure. Vous laisse un goût amer dans la bouche. Leaves you a bitter taste in your mouth. Et vous laisse des questions qui n'ont pas de réponse. And leaves questions that doesn't have any answer. Qu'est-ce que j'ai fait? What have I done? Oui, supposons que. Yes, let's suppose that. But why is he doing this? Why have they done this? Pourquoi ils font comme ça? Why are they doing like this? Tu trouveras pas de réponse. You will never find a reason. Tu n'en trouveras vraiment pas. You will not really find one. Troisième raison. Third reason. Dieu permet à certains gens de vous quitter. God allowed some people to leave you. Parce que vous avez favorisé l'ignorance de vos membres. Because you favorize ignorance of your members. En négligeant de leur enseigner la loyauté et la déloyauté. By neglecting to teach them loyalty and disloyalty. C'est très important. It is very important. Tu dois apprendre à enseigner à ceux qui sont près de toi le fait d'être fidèle, d'être loyal. Enseigne-les l'autorité et la soumission. You have to teach to those that are beside you authority and submission. You have to teach them how to be faithful. Regardons dans 2 Samuel 15, verset 11. Let us look in 2 Samuel chapter 1, verse 11. Vous allez voir. You are going to see ce que je viens d'énumérer là. What I just listed. L'ignorance. Ignorance. De vos membres. Of your members. Pour faire à ce que plusieurs vous quittent. Can make many of them to leave you. C'est pourquoi il est important de bâtir les membres avec qui vous marchez. That's why it's important to build up the members with whom you are working. Montrer comment Dieu fonctionne. To show to them how God functions. Leur présenter les principes de Dieu. To present to them the principles of God. C'est pourquoi des rencontres comme celle-ci. That's why meetings as these ones are marvelous. Et ça révèle notre loyauté. And it reveals our loyalty. Alléluia. Amen. Oui. Yes. Amen. Amen. 200 hommes de Jérusalem. 200 men of Jerusalem. Se sont aussi levés. Just took up. Ils ont accompagné Absalom. And they accompanied Absalom, the son of David. Dans la rébellion qu'il avait organisée pour renverser son père du trône. In the rebellion he had organized to put down his father. Il ne connaissait pas. He didn't know. C'était en toute simplicité. It was simply they were doing simply like that. L'autorité. They didn't know that authority was David. Que son fils n'était pas autorité. And that his son wasn't authority as soon as he was still living. Ils l'ont accompagné. And they just accompanied comme him. Comme des moutons. As sheep. Plusieurs rebelles. Many rebels. Quand ils se lèvent. When they stand up, beaucoup de bien-aimés qui sont naïfs, qui n'ont pas la connaissance, les suivent comme des. Many beloved that are naive and that have knowledge, that don't have knowledge, just follow them as sheep. Et c'est comme ça qu'ils noient plusieurs dans leur saleté. And that's just how they bury many of them in their deaths. J'ai vu plusieurs qui en ont corrompu beaucoup, même au sein des âges, même aller les moutons en sont un peu partout. I've seen many that have corrupted many among us there in the LGs. Let it be here, let it be there at Mouton. Before going, j'ai vu plusieurs qui ont été jetés dans la parapsychologie et ils sont comme des folles, tout simplement à cause de ces rebelles. I've seen many that have been thrown into parapsychology and they're even doing as foolish people. Why? Only because of those rebels. Oui. Yes. Votre congrégation. Your congregation. Vos cellules. Your cells. Sont bâties. Abused. Sont enseignées. Are taught.
God, reçoivent les messages, they receive messages sur l'amour de Dieu, on love of God, sur l'amour de Dieu, on love for God, sur la purification, on purification, sur le miracle, on miracle, sur la guérison, on healing, sur le mariage, on marriage, sur la prospérité, on prosperity, et tout ce que la croix peut regorger, and all what the cross can have. Mais ces messages, but all those messages, ne peuvent pas préserver, can't preserve votre cellule, yourself, contre les attaques. Against the attacks des loups vêtus des rebelles, of dressed wolves and rebels, vous deviez les enseigner la loyauté. You need to teach them loyalty. Vous deviez les enseigner la soumission. You need to teach them submission. Laissez les rebelles partir. Allow the rebels to go. Laissez ceux qui veulent partir partir. Allow those that want to go to ne go. Ne suppliez pas pour qu'ils soient avec vous. Don't plead unto them to be with le you. Le Seigneur Jésus a dit ceux qui sont à moi me viendront. The Lord Jesus says, those that are to me will come unto me. Amen. Amen. C'est très, très important. It is very, very important. C'est capital. It is very, very important. Very, very important. Quatrième raison. Fourth reason. Dieu permet à certains de vous quitter ou de vous faire du mal. God permits to some people to leave you or to harm you. Parce que vous avez méprisé. Because you have misspied. L'un de vos collègues. One of your colleagues, because you have despised one of your colleagues. Lorsqu'il avait des problèmes. When he had problems. Lorsque son église était peut-être détruite. Maybe when his church destroyed him. Vous l'avez méprisé. You despised him. Vous avez moqué de lui. You mocked at him. Dieu permettra à certains gens de quitter, de vous quitter, même dans vos entreprises, parce que vous êtes moqué quand l'entreprise de l'autre s'est brûlée. God will permit some people to leave you in your enterprise because you also left the other person when his enterprise got burned. Faites très attention. So take care. Quand tu vois quelqu'un souffrir. When you see somebody suffering. Ton premier reflet ne soit pas la moquerie, le rire. Let your first reflex not be laughing at him. Ah, ils sont déjà là-bas. Ah, they are waiting there. Voilà, ils vont arriver. They're going to see what they're going to attention. Go to. No, take care. Ce que tu condamnes aujourd'hui. What you are condemning today. Tu peux devenir cela demain. You can become that tomorrow. La Bible est claire ici. The Bible is clear on dans it. Proverbes 17, in verset Proverbs 5, chapter 17, verse 7. J'aimerais que tu dises ça. I would like you to read that. Proverbes 17, verset 5. Proverbs chapter 17, verse 5. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se moque du pauvre attaque celui qui a créé ce pauvre. The person that mocks celui the qui se poor attacks the person that created him. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Et celui-là qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. And the person that rejoices of a sad situation, he will not be unpunished. La Bible dit, faites aux autres ce que vous voudrez que l'on fasse pour vous. The Bible says, do to others what you would like that they should do in return to you. Même lorsque ton ennemi est tombé. Even when your enemy falls, tu n'as pas besoin d'être content. You don't need to be happy. Tu as besoin de pleurer. You need to cry. De l'aider à apprendre. And to help him to learn from it. Amen. Amen. C'est ça le cœur de Dieu. That's the heart of God. Nous ne sommes pas là pour voir les églises tomber et applaudir. Then we have to look at churches falling and clapping. No. Il y a un ouverture que j'ai there's vu à Douala. There's a dressed wolf I saw in Douala. Faisait le PCV spirituel. That one doing spiritual PCV. Lorsque j'avais prié dans son assemblée, a tenu la parole de Dieu contre toute hérésie. When I prayed in his assembly and I've hold the word of God against all bad teachings. Après mon départ, il y a eu un coup dans cette église. Tous se sont dispersés. After my departure, the whole church broke down and all of them went out. They dispersed themselves. Et lui, and him, il est devenu pauvre. He became poor. Extrêmement pauvre. Extremely poor. Au point de mendier même. Until he was begging even. J'étais étonné. I was surprised. De voir mon téléphone sonner. To see my phone ringing. Il m'appelle à 5h du matin. He was calling me at 5 o'clock in the morning. Je dormais encore. I was still sleeping. J'avais passé toute une nuit de prière. I spent a whole night of prayer. À 6h, ça sonne encore. At 6 o'clock, it rings again. Et je me réveille. And I stand up, I woke up. Je dis, allô. I said, allô. Il me dit, c'est bien moi. He says, it's me. Je suis à l'entrée de l'université catholique depuis 5h. I'm at the entry of the Catholic University since 5 o'clock. Je voulais te rencontrer. I wanted to meet you. Et je suis dépassé. And it was above me. Tu peux vouloir me voir. And he was saying that, how do you want to see me? And you come at 5 o'clock and you don't even call me to tell me that you are there. If I was not there, that's how I ran to go and see him. I took him
and put it at home. Tout ce que je peux I tried my best to give him all I could give best to someone. Je lui ai fait à manger. I gave him food. Il a mangé. And he ate. Il a cherché ce qu'il pouvait boire. I even looked for what he could il eat. A he drank. Au point de dire, oh, c'est tellement bon, hein? I said, oh, it's so nice. Huh? Il ne faut pas que j'oublie ma femme. Let me not forget my wife. Je lui ai dit, tu es un bon mari. And I said, you are a good husband. Parce que tu te souviens de ta because femme. You are remembering of your wife. Et en partant. And why going? Je n'avais pour repas qu'un demi-sac de tapioca. I had a food stuff at home, just a half a bag of garri. Et j'ai coupé en deux. And I cut it into two. J'ai donné sa part. I gave his own et part. Et j'ai laissé ma part. And I left my own part. J'avais pour capital et intérêt 5000 francs. All what I had in my pocket was 5000 francs. Et j'ai and I gave it to him. A dit que je trouve grâce à tes yeux que tu reçois ceci comme un cadeau. And I said, let me find mercy in front of you and receive this as a gift from me. Et il est parti très content. And he went so happy. Mais j'ai profité en lui disant. But I profited in telling him. All actions have a reaction. C'est la vraie repentance. Only true repentance can make you to arrange what you had spoiled il before. And the reason I say, I don't need to repent myself. But I have done mine. Je lui ai donné un exemplaire d'un support qui parlait de la vraie repentance. I even gave him one support on a book called Speaking About True Repentance. Et il est parti. And he went. Parce que je l'avais repris. Because I spoke to him. Il avait attiré son attention en fait. I attracted his attention. Il n'est plus jamais passé chez moi. He never came back in my place again. Even to call me. Plus jamais. Never. Mais je sais que j'ai fait ma part. But I know I've done my own. Amen. Amen. J'ai même essayé son numéro par la suite, ça ne passait plus. I even tried his number the next day, the following day. J'avais trouvé une opportunité de travail. J'ai dit, I couldn't find him. And I even found a job opportunity, trying to call him so that I can work, but I couldn't get him. Imagine comment dans le ministère où il était, c'était financé par un Américain. L'Américain a quitté les États-Unis, avait venu le chasser. Comme va-t'en, il n'a rien donné. And he even told me that the ministry in which he was, it was subvention by an American. The American came and chased him out without giving him anything. Il était obligé d'aller laisser sa femme et ses enfants chez sa belle-famille. And he said that's how he was obliged to go and leave his wife and his children in his family-in-law. Je lui ai dit vraiment. And I told him sincerely. Je compatis. I have compassion for you. Je ne peux pas t'aider parce que je n'en ai pas. Because c'est vrai, but I can't help you because I don't have. Amen. Amen. Donc, ne méprise pas l'un de tes amis ou l'un de tes proches qui est tombé. So ne te moque pas de quelqu'un qui a eu le mal. So don't despise anyone beside you. Let it be your friend, anyone you know, because he fell down. Parce don't moque at him. Créature, tu te moques du créateur. Because when you mock at the creature, you are also mocking at the creator. Amen. Amen. Cinquième raison. Fifth reason. Qui fait à ce que Dieu permet que les gens te quittent. That makes God to allow people to leave you. Dans 1 Jean 2, verset 18 à 19. In 1 John chapter 2, verse 18 to 19. Jésus dit quelque chose de merveilleux. Jesus says something of marvelous there. Dieu permet que certains gens te quittent. God allows some people to leave you. Parce qu'ils n'appartiennent pas à ta destinée. Because they don't belong to your destiny. Tu n'as pas besoin de marcher avec eux. You don't need to walk with them. Ne t'accroche pas à eux. Don't attach yourself to them. Ils vont devenir comme un boulet sur tes pieds. They are going to become as a ham for your leg. As a kiss for your leg. Tu vas craindre ça durant tout. And that's how you'll be taking it for the whole of your life. Le boulet le plus dangereux, c'est un faux mari. The most harmful kiss is a bad wife or a bad husband. C'est un boulet que tu ne peux pas te débarrasser. It's a kiss from which you cannot really distance yourself from it. You carry it the whole of your life. Et parfois Dieu a pitié de certains grands hommes. And at times God even pities some great men. Il permet parfois que leur femme meure, que leur mari meure. He permits that their wife or their husband dies. And he leaves them like that. C'est dur, non? It's strong, it's hard. When I reached at Bafang, j'ai un pasteur de la full gospel. At a pastor of the full gospel. Sa femme était malade depuis 4 ans, couchée. His wife was sick for about 4 years. Je venais, j'étais encore jeune. She was lying. Chaud, chaud, là. As non, I said, I was still a new converted person. Je and anointing was still hot.
That's how I fasted for 9 days without eating or drinking. J'allais beaucoup cette femme-là se lève. I was going so that that woman should stand up. Arrivé à son chevet. When I reached beside her bed, God spoke to me this. God, I got to poser tes mains sur elle. Don't put your hand on her. Car si elle se lève, elle détruira le ministère de son mari. Because if she stands up, she will destroy the ministry of her husband. Je suis rentré honteusement. And that's how I came back shamefully. L'homme de Dieu ne connaît pas. Il prie chaque jour, dit Seigneur, guéris ma femme. Where the man doesn't know, he's there praying and the Lord, heal my wife, heal my wife, heal my wife. Combien sont des soeurs qui ont voulu exploser avec Dieu, mais se trouvent attachées à un boulet qui est un mari bizarre? How many are those sisters that wanted to explode with God but found themselves attached to a bad husband that is disturbing them? Ne cherchez pas à résister lorsque les gens vous quittent. Don't try to resist when people leave you. Le départ et le remplacement par d'autres personnes. Replacement by other people. Est parfois voulu par Dieu parce qu'ils n'appartiennent plus à ton ministère. Ce qu'ils étaient appelés à faire dans ta vie, c'est fini. Il faut qu'ils partent pour que de nouvelles personnes viennent. At times, their departure and their replacement is the will of God. They need to go so that what God has prepared for you to accomplish. Ces personnes ne font pas partie de votre destin éternel. Those people are not members of your eternal destiny. Donc ne pleure pas comme si tout le monde entier s'arrêtait. So don't cry as if the whole world was stopping. Nul n'est indispensable. None can't be replaced. Oh papa Sofoni, comme tu es parti, c'est fini pour nous. Oh papa Sofoni, as you have gone, it's finished for us. Qui t'a dit ça? Who told you that? Meilleur que papa Sofoni. There is better than papa Sofoni. Alléluia. Amen.